Dact. 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 D'accord, d'accord. Donc, multijoueur, c'est quoi multijoueur? C'est qu'on rencontre des autres joueurs et puis on se lynche? C'est quoi ce truc? Non, on va pas faire ça. Hein. On va faire une partie en solo, non? Il y a multijoueur, ouais. Massif ou multijoueur seulement? J'ai vu une personne qui jouait avec un collègue et puis ils discutaient et puis construisaient ensemble, ils jouaient ensemble. Ouais. Je sais pas. C'est coopération le multiple. Ah, c'est coopération. Donc tu coopères avec ceux qui. Donc. D'accord. Coopération. Donc c'est pas du PVP quoi. C'est qu'on s'entraide. Voilà. Donc comme je suis tout seul, bon bah je joue en solo. Hein. Solo. Ouais. Alors là, l'histoire, c'est quoi alors? Les esprits de l'Amazonie, ça c'est pas la peine. Les défis, non. Histoire ou survie? Alors, histoire, survivez et suivez l'histoire de Jack Ingis. Moi, ça m'intéresse pas ça. Survie, concentrez-vous uniquement sur votre survie dans ce monde sans fin. Là, je préfère ça. Pas de combat entre les joueurs. D'accord, ok, merci. Donc, il n'y a pas de combat, c'est pas du PVP. Moi, je pense que survie, moi, ça m'intéresse le plus, hein, parce que l'histoire, il faut suivre vraiment un truc, c'est vraiment tracé, et moi, j'aime pas. Hein. Franchement, j'aime pas l'histoire tracée où il faut faire exactement ce qu'ils veulent, non. Survie, ouais, là, c'est, voilà, dans ce monde sans fin, voilà. Moi, je pense que c'est pas mal, ça, hein. Tu jouais comment, Liartès, s'il te plaît, à ce jeu? Ah, t'as tout fait, d'accord, ok. Donc, est-ce que la survie, tu arrives à avoir une fin est-ce que tu quittes l'île ou c'est, voilà, une fois que t'as fait ta baraque, un building et machin, et puis voilà, t'es intouchable. Est-ce que c'est là que c'est fini? Je sais pas. Bon, avant d'arriver là, je vais te dire que... Pas de fin en survie, d'accord, ok. Donc, à ton avis, pour le Twitch et les vidéos, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est l'histoire où il faut vraiment, comme j'ai fait là, le dictaticiel? Moi, ça m'intéresse pas. Ça m'a intéressé pour savoir y jouer, pour prendre en main le jeu. Mais la survie, c'est plus... Moi, j'ai envie de délirer, quoi. Hein. Joue en survie le temps de te faire... D'accord. Donc, ok, merci, alors. D'accord, ok. Ça roule. Bon, bah, c'est bon. Eh ben, je commencerai certainement demain parce que là, il est 20h20. Ça fait 1h40 que je Twitch, ouais. Tu feras l'histoire après si ça te... D'accord, moi, je préfère faire la survie, alors. Hein? Ouais. Parce que avant d'arriver à un niveau où tu commences à t'ennuyer, je pense qu'il y a des heures de jeu, je pense. Hein. Toi, tu t'es arrêté comment, Liartès, pour la survie? Tu commençais à t'ennuyer, c'était répétitif. Pourquoi t'as arrêté la survie? Parce que t'avais plus le temps d'y jouer? Parce que moi, quand je m'engage à une partie, je vais le plus loin possible. Hein. Pour ça, je préfère te demander avant de commencer une partie. ...367 jours de survie... ...6 villas dans la jungle... ...d'accord... ...367 jours de survie... ...d'accord... ...et 6 villas... Ah ben ...ça va, tranquillou, tranquille... ...mais bon, t'as fait pas mal d'heures de jeu... ...je suppose... Hein. ...ok... ...bon bah je verrai ça... ...bon bah demain on attaque la survie... par contre, je crois qu'il y a des options pour la difficulté. Non, ça c'est le jeu, crédit, machin. La difficulté, ils la disent peut-être après, non?
Retour. Retour. Bon, on va commencer comme ça. La map est grande. Il y a de quoi faire. Donc, ça doit faire comme Minecraft, alors, je pense. Tu choisis en lançant la partie. D'accord. Donc, admettons, je fais solo. Je fais survie. Voilà, c'est ça. Niveau 2. Alors, promenade de santé. Qu'est-ce qu'il y a, promenade de santé? Alors, il n'y a pas d'attaque hostile. Vous pouvez toujours foncer tête baissée vers le danger. Ouais, non, ça c'est trop ça. Recommandé par les joueurs voulant se concentrer sur la construction et l'exploration. Santé mentale désactivée, tribu hostile désactivée, prédateur désactivé, diminution des nutriments lente. C'est pas mal ça. C'est pas mal. Je vais pas commencer par le plus dur, hein, ça c'est clair. Bienvenue dans la jungle. Expérience de survie équilibrée, recommandée pour tous les joueurs. Santé mentale activée, tribu hostile activée, prédateur activé, diminution des nutriments normal. D'accord. Roi de la jungle. Les ennemis sont plus agressifs et les pénalités de santé mentale sont plus sévères. Ah ouais, non. Recommandé pour les experts en survie. Non, je suis pas expert, moi. Oui, tu me donnes une Kalachnikov, il y a pas de problème. Mais là, tu me donnes un bâton. Non, c'est pas la peine. Santé mentale activée, tribu hostile activée, prédateur activé, diminution des nutriments accélérée. Ah ouais, non. Et l'enfer vert. Les ennemis sont plus agressifs et les pénalités de santé mentale sont plus sévères. En cas de décès, toute la progression est perdue. Oh! Ah ouais, non, recommandé pour les joueurs vétérans. Ah non, je suis pas un vétéran, moi, j'y serai jamais, moi. Moi, j'ai une jambe de bois, hein, et un œil de verre, moi. Non. Santé mentale activée, tribu hostile activée, prédateur activé, diminution des nutriments accélérée. Ah non. Et enfer vert, c'est mort permanente, tu m'étonnes. Évite promenade de survie, ça enlève beaucoup de choses. D'accord, ok. Donc, promenade de santé, tu voulais dire, hein. Tu choisis en lançant. D'accord. Évite promenade de survie. D'accord. Et c'est là. Ok. Bienvenue dans la jungle, c'est bien. Oui, c'est ça. Bienvenue dans la jungle, je crois. Ouais. C'est ce que. Parce que là, le trop facile, la promenade de santé, non. Promenade de la jungle pour commencer à jouer. Moi, je pense que ce serait bien. Merci, Liartes. C'est super sympa. Alors, personnaliser votre difficulté, expérience générale, ça, on laisse tomber. Touriste, donc c'est. Voilà. Donc bienvenue dans la jungle, je pense que c'est ça qu'on va prendre. Sauvegarde solo. Et puis c'est parti, hein. Hein ? Voilà. Donc je lance, comme ça, ça va charger, je pense. Tu vas peut-être me dire comment on sauvegarde, et puis ça va être bon pour ce soir. Bah, je suis content, merci Liartes d'être passé. Je remercie Flory, s'il est encore derrière le PC, s'il n'y est pas... Bah, il regardera la vidéo, parce que la vidéo, là, ça sera marqué, ça sera sur YouTube. Hein. Voilà. Il y aura toute la communication hein, sur YouTube. Hein. Donc, merci Liartes. Hein. Tu te fais une bonne réputation pour les Twitchers. Hein. C'est vraiment, tu m'as bien aidé, là, et pas de problème. Hein. D'accord, une sauvegarde automatique au début. D'accord, ça marche, Liartes. Bien, bien. Bon, bah on va continuer comme ça. On va voir si ça plaît. J'espère que ça va plaire. Damien, je ne sais pas si tu es encore derrière. Je ne sais pas si ça te plaît toujours. Ah bah j'ai fait le didacticiel jusqu'au bout. J'aurais pas pensé. Il doit être sur rare quand même temps. Hein ? Il doit être sur rare quand même temps. Oui, je pense. Ouais. Il va faire il a fait le dragon bêta. Ah ouais ? Aucune perte. Oh. Et il devrait faire l'alpha. Mmh. Et il ouvre la grotte tech. Ah non, je ne crois pas. Bah ouais. Ouais, mais bon, il est en x10, hein, ma puce. Hein. Donc ça aide, mais il a félicité quand même. Hein. Attention, hein, c'est canon. Hein, voilà. Moi, ce qui m'énerve, c'est que voilà, on est en x1 pour l'élevage. Hein. Ouais, t'es toujours là? Ok, ça marche, Damien. Non, justement, on disait pour ta progression sur arc, chapeau, Damien. Hein, franchement. Mais nous, moi, voilà, moi je préfère pas faire en x10 ou x15, je sais plus en combien que t'es. Mais j'aimerais pas non plus continuer en x1, quoi. C'est la galère, hein. Franchement. Non, x4, pour moi, c'était bien, quoi. Tu dois construire un abri pour pouvoir sauvegarder. Ah, d'accord.
Ah, il a boosté les repros. Et moi, c'est ce que j'aimerais faire aussi, Damien, c'est booster les reproductions, mais en x4, tu vois. Et puis, bah voilà, je suis en x1 et c'est la galère. C'est pour ça, là, ils sont en train d'être élevés, les mégatheriums. Hein. Je suis obligé hein, de laisser en permanence. Donc, après ce jeu-là, bah, je vais hors Twitch rentrer mes mégatheriums. Je vais gagner 15%, quoi. C'est trop. Eh, c'est joli, là, hein, c'est bien. Donc, tu me dis de faire. Tu dois construire un abri pour pouvoir sauvegarder. Eh ben on verra demain, hein. On verra demain ça. Je vais pas commencer à faire un abri parce que là je vais en avoir pour jusqu'à 22 h, je Ouais, mais pense, tu peux non? pas sauvegarder. Ouais, non, 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 non. Hein? Tu peux pas sauvegarder. Non, mais je commence la partie, donc autant que je la recommence demain et puis je serai au même point. Hein. Bon, bah je compte sur toi demain, Liartès, si tu es là, ou sur Fleury, ou sur Damien, tu peux me donner des conseils, hein, Damien, sur ce jeu-là. Hein, essayer de, avec ce qu'on a fait ce soir. Hein. Au contraire, demain on est vendredi, bah oui. Hein, donc je ferai du arc hors Twitch et après j'attaque ce jeu-là. Hein, juste attends qu'il y en a qui me disent, bon, bah, on commence à se lasser. Est-ce que tu peux faire autre chose? Donc bah je ferai autre chose. Hein, je ferai autre chose. Mais un jeu que j'aime, hein, évidemment, ça c'est clair. Donc là, je vous dis, c'est Minecraft, c'est Ark, c'est GT6, et maintenant, c'est, j'allais dire, Zundercool, non, The Green Hell. The Green Hell. Ça dépend de l'heure. Ouais, non, il n'y a pas de problème, l'RTS, de toute façon, tu seras toujours le bienvenu. Hein, là, je te remercie vachement. T'es tombé au point, au bon moment. Parce que bah, j'ai commencé le jeu et je suis bien content d'être tombé sur toi et sur Flory parce que et puis Elouane, hein, parce que bah, mon ami Damien il est comme moi il est novice hein, sur ce jeu hein. Donc, mais vraiment les couleurs et tout c'est moi j'aime bien Damien hein. Je sais pas si ce que t'en penses Damien ah, les graphismes sont beaucoup beaucoup plus minutieux que Ark hein. Là franchement quand je vois le bambou hein, il y a des bambous hein, dessin animé. Ouais, là c'est vraiment, oui, ça se rapproche du réalisme. C'est joli, franchement, c'est joli. Moi, j'aime bien. C'est reposant, c'est sympa. Franchement, c'est sympa, ouais. Hein, Damien? Franchement, les graphismes, ils sont top. Je sais pas si j'ai un gamma là. Non, j'ai pas de gamma, hein, évidemment. Ok. Non, non, c'est top. Bon, bah voilà, hein, on va se quitter comme ça. Il y a des endroits vraiment magnifiques dans la jungle. Bah, on va découvrir ça ensemble, Liartès. On va découvrir ça ensemble. Hein. Mais bon, t'inquiète pas, Damien, j'abandonne pas GT6. Bientôt, je vais faire de la voiture. Je vais prendre la petite Clio. Rien que pour toi, Damien, on va monter ensemble et on va faire cette petite course ensemble. Non, je plaisante. Non, non, je continue Ark. Moi, ça me tient à cœur. J'étais très, très content d'avoir fait le boss de l'araignée hier. Ça me booste, ça voilà, ça m'a donné du coup la persévérance pour voilà. Et là, regarde les oiseaux là, ça doit être des perroquets, des haras, je sais pas, mais voilà, ils sont magnifiques. Franchement, c'est magnifique, super. Vraiment, les rayons de soleil et tout, c'est, je me croirais presque dans une forêt corse, tu vois, à Vitzavone. Ouais. Ah ouais, avec le rayon de soleil qui rentre, les... Ah ouais, non, franchement, c'est... Ah ouais, non, c'est top. Franchement, c'est top. Ok, donc bonne soirée à tous. Hein. Merci Damien, merci Liertes, tous ceux qui sont derrière, merci beaucoup. Et je vous donne rendez-vous donc demain pour continuer cette aventure de Green Hell. Et puis j'espère qu'on va faire un bon chemin ensemble, quoi. Voilà. Merci à tous. Hein. Ciao, ciao, bye bye. Alors attends, faut que je récupère mon curseur, le C, je récupère mon curseur, oui, voilà. Allez, bye bye, bonne soirée, bon courage pour demain ceux qui se lèvent, et puis à demain si vous le voulez bien, sinon à une prochaine, vous êtes les bienvenus, hein. Merci encore. Hein. Patou se joint à moi pour vous faire des bisous, ciao ciao, merci. Hein.